Il y avait besoin de la chaleur. Qui me voyait avec qui? Qui était enceinte. Si le chauffeur me braquait, là, je... qu'elle a dit, c'est quand même. Je sens qu'on parle aussi là. Le général du Fakassé, mon coup. Ah ouais? Oh my God. Voilà, je sens ça. Là. Coucou. Bonjour tout le monde. Il y a un téléphone qui vibre là. Il y a déjà coupé. Je n'ai pas coupé exprès. C'est la connexion qui est finie. Connectez-vous. C'est la connexion qui est finie. Je n'ai pas coupé le direct. Bonjour mes socoyeuses. Vous fâchez pas. Hein? Ce n'est pas de ma faute. J'ai trop traîné. Et puis, bah, voilà, après, le direct s'est coupé. Quoi. Ciao le jus, là, c'est glacé. Merci, mes amours. Bonjour, partagez. Partagez. Quand on est connecté, on envoie les cœurs pour montrer qu'on est connecté. Quand on se connecte, on envoie les cœurs. Et à Campbell, c'est le moment. Envoie-moi les méga, c'est chaud le socor avec moi. Donc, pour que tu viennes voir mon socor, je vais encore t'envoyer les méga, maman. Hé! Hey! Qui a fait ton traçage là? Maman, c'est moi-même, laisse-moi. Hein. Peu pas les insultes qu'on. J'ai fait mon traçage seul. Ma petite, c'est que je dois apprendre à me maquiller. Qu'est-ce qu'elle va toujours pour me maquiller? Bonjour Alicia. Tout celles qui me guettent là, je veux que vous prononciez vos noms sans que vous me dites bonjour. Larissa Linda, tu me regardes, tu me dis pas bonjour. Francine, bonjour ma chérie. Mais bébé, quand vous êtes connectés, vous envoyez les cœurs. Ça doit déjà être une coutume chez vous. Que dès que vous vous retrouvez dans le direct, seulement vous commencez à envoyer les cœurs. Léa, tu as seulement 100 perruques. Oui, bien sûr. Les perruques, c'est ma plus grande richesse. Mon âme pas plus dans les perruques. Tu es familier avec Shakiro. Oui. Tes lèvres sont pulpeuses. Oh, hein? Ouah. Ils sont en train d'apprendre à même comme vous allez lire avec moi ici sur Facebook. Bonjour, Vicky. Larissa, bonjour. J'ai où le jus là, non? J'ai soif. Bonjour Francine, ne joue plus avec nous. Je ne peux même pas tenter de jouer avec vos organes. Que ma vie est où? Que ma vie est où? Sauf que quand vous connectez, vous devriez partager sans que je vous le demande. Vous devez envoyer les queues sans que je ne vous demande. Ahmed, bonjour ma chérie. Ahmed, waouh. Ma première fois de voir une fille qui s'appelle Ahmed. Il dit que non, comme j'apprends à me maquiller là, mais sauf que vous avez l'île. C'est grave avec les révélations. Ton make-up d'aujourd'hui, c'est le vrai Mbrakata. Et qui est? C'est le Mbrakata, comment, maman? Merci, mon cœur. C'est le Mbrakata, comment? Je ne vais plus passer près du jouer là, ça a tout gâté. Merde, c'est bien glacé, mais c'est congelé même plutôt. Coucou, Donna. Je ne sais pas combien elles ont partagé. Je vous promets que si vous vous connectez, vous ne partagez pas, vous n'envoyez pas les cœurs. Moi, je ne peux pas vous donner le son. Je vous dis la vérité. Parce que quand vous connectez, c'est comme si moi seulement vous suppliez. Bonjour Aline, ma chérie. C'est comme si moi seulement vous suppliez de partager. Talia, bonjour. Mais de mon Dieu. Donnez. Maman, garde juste là, non, c'est trop sucré, jamais. 182, dis-nous les choses, parce que vous avez partagé. Ah bon, pour moi, pour toi. Tu es belle, Léa, merci. Ini Ido.
Mamie Soko Nyonyo, bonjour ma chérie. Maman, il y a Vicky dit que mon make-up d'aujourd'hui est mbrakata. Maman, c'est facile, c'est make-up seul. Pardon, il faut nous respecter, Léa. Non, l'histoire dit là, j'ai pas aimé. Ma connexion est finie. Aline de l'Italie te salue. Aline, bonjour ma chérie. Et bien, c'est merci. Ton traçage là est comme le traçage de Bouddha. J'ai tracé avec le machin là qu'on paye les cils avec. Le crayon, mon crayon marron était fini. Donc, j'ai tracé. Ça y est, seulement pris le machin. On appelle ça quoi, chat? J'ai pris le truc là. Ce qu'on paye les cils avec là. Chat, le mot de passe. Hein? Voilà, j'ai tracé les cils avec le mascara parce que. Ah, l'autre! Je suis en direct des. Tu es brune là-bas comme. Chanta, on avait l'huile de palme. Merci à ceux qui disent que je suis belle. D'autres sont connus, ça dit que je suis laide jusqu'à quand le mec, comme si est trop jolie. Ta perruque peut coûter combien? 160 000 le dernier prix. 160 000 le dernier prix. 160, vous savez que mes perruques n'ont pas de col. Tous mes perruques n'ont pas de col. Qui envoie les têtes de moi? Moi, j'ai plus l'impression qu'il envoie les têtes de moi là. Mes amis, envoyez quand on commence notre soco. Je vais me bloquer, mais je vais seulement bannir la personne qui envoie les têtes de moi. Tu as tracé le goudron aujourd'hui, ma belle. J'ai juste peigné, regardez, je n'ai même pas tracé, regardez. Regardez, j'ai juste peigné. Je n'ai pas tracé. J'ai peigné avec le mascara. Et mes lèvres, comment vous les trouvez? Mais c'est incroyable, est-ce que vous trouvez les lèvres? J'apporte le truc à la chambre, je vais m'en conseiller que j'ai mis sur mes lèvres. Mon truc rose là, avec le crayon marron là et mon rouge mat marron là. Vous êtes à combien? 236. Hé! Hey! Non, vous aimez trop me décevoir. Ne m'appelle pas que maman Léa, laisse-moi faire mon direct. Je suis 246 personnes. Je ne veux pas qu'on soit nombreux. Je dis à 500 dans notre socor. Je ne veux même pas, mais socor, je ne veux pas qu'on soit 1000. Il veut savoir à 500. Il dit les graves révélations. Vraiment, le showbiz est risqué, mes socorieuses. Le showbiz est risqué. Pauvre Pifo. Pauvre Pifo. J'arrive. Brenda, bonjour ma chérie. Je vois les queues que Brenda est en train de pomper. Brigitte Moque, bonjour ma chérie. Merci Alicia Mvondo. Merci, vous avez 251. À 500, je vous lance le soco. 500, tu as les lèvres meilleures. Mais ton prochain ne te maquille pas seul. Ah, prochainement, ne te maquille pas seul, s'il te plaît. Oui, c'est parce que qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne à me maquiller. Ton traçage n'est pas mouf. Arrête un peu. Regarde, non, je vais te fouetter. Elle ne combat pas mon binet, tu regardes encore. Si ça grise, c'est bon, vous avez dit quoi? Descends de là avec tes pattes comme pour le cafard. Touche encore, voir, mais te tirer des oreilles là. Est-ce qu'il y a le poster? Tu vois, qui c'est qui a fait une bêtise? Va voir, c'est calme là-bas. Touche encore, voir. Imbécile là. Quand on est bête, on crie parce que les gens, non. C'est mon petit neveu, il a l'autre. Hein. C'est lui qui touche tout, il veut tout toucher à la maison. Lance notre mamie. Voilà, vous êtes. Attends, regarde d'abord. Vous, quand on veut le socon, on partage. Je veux pas. Hey! Les socons, si on veut pour moi. Chaloise, regarde. Vous n'êtes pas honte, mais 118 qui se manque depuis là. Non. Non. Non, non et non. Vous êtes 200, presque 300, vous êtes rien dans 118 que maman. T'es plus non, maman. Elle est trop belle. Waouh, l'argent est bien.
Celle-ci coûte 160 000, le dernier prix. 160 000, exactement. Vous pouvez la lisser, vous pouvez la boucler, comme vous voyez là. Vous pouvez faire les plus grosses boucles, vous pouvez faire les moyens comme, comme ceux-ci. Elle coûte 160 000. 39 partages, c'est souillant, maman. Eh, pardon. 125 heures, vous êtes bête. Attends, j'ai jamais compris comment vous êtes payé 245 personnes connectées. Il y a seulement 125 qui aiment ce qu'on est en train de parler. Mais c'est bizarre, hein? Tu veux ce que tu as fait hier, non? Non, que c'est quoi? Vous n'avez pas remarqué que ma connexion est finie hier? Hein, mes bébés? Vous n'avez pas remarqué que ma connexion est finie? Hein, qui t'a marre? Vous êtes seulement à 39 partages. Ça, c'est la taille. Ça, c'est la taille. Elle est longue. Ça, c'est la taille 20. Combien elle a dit? 26. Elle est bien longue. Hein? Elle est bien longue. Descends. Qui là-bas vite? Ça va comment? On fait rien comme si on est tombé la nuit. Mon petit devait se faire mais bébé, mais il devait se voir jusqu'à. Avec tous les cœurs que j'envoie là. Non, vous me regardez. Il a arrêté mon ventilateur. Dis, il faut dresser au lit, elle va se coucher dans la chambre. Maman, tu veux jouer? Non, non, je ne suis pas contente. Maman, regarde le direct qu'elle lance. Il vient d'envoyer 125 cœurs, ils sont plus de 257 connectés. Mamie, Navine vient prendre la paix. 160 000 francs. Je ne suis pas contente, mais socorieux. Ça, c'est quel genre de cœur, Mbrakata, comme ça. D'ailleurs, l'enfant ne peut pas te laisser. Je t'ai dit. Maintenant, il fait comme Kaïdoudou et Kenan. Oh! Mon téléphone ne montre pas tous nos cœurs. Moi, j'ai trouvé 100 cœurs. Il t'a dit, ma chérie, 100 cœurs et avec plus de 200 personnes connectées. Non, mais c'est souillant. Oh! Tu envoies même 100 cœurs, ça signale apparemment. Ça compte les personnes qui aiment. Ouais, mon Dieu. 244. Non, maman. Parle-nous de l'autre. Cherche quoi, tu as peur d'elle. Yo! Fin d'abord les choses de l'Élédiè. C'est ça qu'il dit que vous partagez, on arrive à 500, au moins on continue les trucs de l'Élédiè là, non? On envoie les gens avec les Lélé. On les envoie avec les Lélé. Hein? C'est tout l'argent là que vous cherchez comme ça, vous allez faire les Lélé. Dis-y, porte l'enfant, si, pardon. Je veux pas les bruits autour de moi, s'il te plaît. Elle veut fâcher déjà là-bas. Va, vas-y, dis, tu es. C'est comment, Léa? Maya. Léa, on te rembourse ce que tu nous as fait hier. Ouais, mon Dieu. On vous envoie tourner au cinéma, vous partez faire les lélés. Vous partez faire les lélés jusqu'à vous faire des voices. Quand tu l'avances, là, participe à la chambre, ça va y tourner dans ma tête. Tu sais combien? 245. Vous avez 500 personnes là. Hein? Qui l'a balayé aujourd'hui sur moi, tu es? T'es-tu comme quoi? Maman Léa, si je vous ai. Tu appelles mon nom, devait te taper ta bouche. Maman Léa. J'aime trop ta voix, tu es naturelle, une vraie fille de l'Ouest. Maman, je t'aime trop, une femme toujours souriante. Maman, si tu ne souris pas là, il y a d'abord trop les problèmes de famille, les problèmes avec ton gars, les problèmes avec les Stambrakata sur Facebook. Si tu veux porter tout ça pour mettre dans ton cœur, tu vas vivre, maman. Mais t'as forcément le sourire. Il dit que non, le showbiz ici, là, non, mais ce qu'il parle, on va dire que oh, mamie, son con, gnor, gnor. Mamie, son con, gnor, gnor. Tu vas dire, tu vas quoi? Je dois bavader, on t'appelle. Je dois bavader, mes socoyeuses. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Vous comprenez un peu, non? En tout cas, j'ai pitié pour la génération future. Parce que ce qui se passe dans le showbiz Mbrakatasila, c'est les choses de Sodome et Gomorre. C'est les choses de quoi? De Sodome et Gomorre dans la Bible. Et les Péo. Et les Léléo. Et les Péo. Et les Léléo. C'est tout le monde qui est maintenant Lélé. Tout le monde est déjà Lélé.
comme je vous parle. Il dit, tout le monde est déjà lélé. Hier, on a fait ta volonté, tu n'as pas parlé. On te rend la pièce aujourd'hui. Vous pouvez me rendre la pièce, les socoyeuses. Vous ne pouvez pas me rendre la pièce. Vous comprenez, non? Vous ne pouvez pas. Hier, je n'ai pas fait exprès. Toi et le rouge, non? Il n'y a pas mis le rouge aujourd'hui, maman. Il n'y a même pas un rouge. J'ai fait un truc mat. Je n'ai même pas le rouge sur moi aujourd'hui. Voilà, c'est revenu, Zizi. Je veux voir 250 cœurs là-bas. Vous ne pouvez pas être 300. Il n'y a même pas 200 cœurs là-bas dans le direct. C'est un truc de ouf. Hein? Hier aussi, nous sommes restés. Hier, j'ai posté la photo de Noël que Moïse là. Sur ma page. Aïcha aussi posté sur sa part la page. Vous avez dit que, oh, mamie Soko, il y a quoi? Il y a quoi? C'est là qu'il dit qu'il y a quand même maquillé. Voici mes choses que j'ai utilisées pour me maquiller. Voici ce que j'ai mis sur mes yeux ici pour peigner. Merci. Parce que le crayon marron, ça ne donnait pas bien. J'ai mis le crayon marron ici, là, comme ça, là. Ici, là, non. J'ai mis le crayon marron. Et ici, au milieu, partagez mes amours. On fait notre Soko. Et ici, au milieu, j'ai mis ça comme ça, hein. C'est énorme. C'est comme ça que j'ai fait. Et après, j'ai mis le gloss. Qui m'a envoyé les 50 étoiles? Nadine, maman, merci, il n'y a que toi, maman. Elle veut le socor, même partager les dépasses. Moi, envoyer les étoiles, les dépasses. J'ai dit, attendez, attendez, finis ça. Merci, Nadine, que Dieu te bénisse, maman. Attendez. Il doit être très belle avant de faire le direct parce que il y a un ex là. Vous avez vu, non? C'est comme ça que j'ai fait. Donc, vous avez vu, non? Vous pouvez faire ça chez vous aussi. Voilà. C'est bien. Voilà. Où ma patte? Attendez. Donc, parce que hier, chez moi, on a fait nos postes, vous ne comprenez rien. Vous avez vu, non, c'est simple. Il n'a pas mis la patte, il a juste un peu mis la poudre de Kahara. Le déguisement. Oui, c'est le déguisement. Vous êtes tout en train de critiquer. Même si c'est bien jusqu'à vous êtes tout critiqué. Nous sommes habitués. Nous sommes habitués au critiquement. Je peux trouver ton style de gloss là où. C'est un ex qui m'a gardé ça qu'il est venu. La France. Voilà. Et commence mon socle, elle commence à se rendre non-stop. Voilà, vous êtes tous 340. 215 cœurs, 44 partages. Vous voyez que vous êtes destinés à ne plus partager, non? Vous voyez, non? Vous regardez ce que vous êtes plus de 300. Vous n'appuyez pas sur les cœurs. Vous, 300 personnes, vous n'appuyez pas sur les cœurs. Vous attendez seulement que je parle. Je commence d'abord par vous expliquer. Je vais taper l'enfance là. Je commence d'abord par vous expliquer ce qui a fait que je poste la photo de mettre retire le rouge sur les doigts, mamie. Oui, après je vais laver, non mais. Après je vais retirer. Ouais, attendez, je commence. Mais pompez les queues maintenant. Je t'aime trop, une femme. Mais bébé, nous sommes à 349, non? S'il te plaît. Je ne peux pas envoyer les cœurs, je n'ai pas les moyens des étoiles. Oui, envoie alors les cœurs si tu n'as pas les moyens d'envoyer les étoiles. C'est ce que je suis en train de dire. Attendez, ne vous découragez pas, j'arrive. Voilà, mes chéris. Hier, je dis, voici ce qui s'est passé. Envoie les cœurs pendant que je parle. Celle qui veut partager, pardon, elle veut partager tant mieux. Ma donnée s'est gardée pour moi le gloss. Oui, il va venir avec nous encore en décembre, bientôt à la fin du mois. Donc. Excusez-moi, ça c'est ma jupe pour rester à la maison. Quand je vais bon, qu'elle reste à la maison, c'est de la jupe si j'aimais ici pour ne m'avoir chaud. Donc, mes chéris, hier, ce qui a fait que je poste la photo. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier pour que nous postons, pour qu'Aïcha et moi,
on poste la photo de Noël, comme vous avez vu là. J'ai posté la photo de Noël hier. Vous m'avez insulté, vous avez dit que oh, Noël, il faut te méfier de cette fille. Il faut. Vous faites souvent ici sur les réseaux sociaux comme si votre vie hors de Facebook est trop parfaite. Vous aimez tout faire comme si vos vies sont trop parfaites, maman. Mieux de moi-même, on sait meilleur comment je suis. Vous-même, les autres filles qui me suivent, quand vous êtes bipolaires, vous dites intuitivement, vous dites son contraire. On ne peut même pas vous définir. C'est encore mieux de connaître une personne avec qui tu marches. C'est encore mieux de connaître que normalement, son conseil, elle est comme ça. Je vous rappelle juste que les réseaux sociaux restent les réseaux sociaux. Et la réalité reste la réalité. Les réseaux, on peut tout faire dans les réseaux. On peut tout faire sur les réseaux. On peut faire. Je vous ai dit sur les réseaux, on vous montre ce que vous allez voir. Les réseaux sociaux ne seront jamais la vraie vie. Personne ne connaît mon quotidien. Personne ne connaît le quotidien d'Aïcha. Personne ne connaît le quotidien de Noël. Vous connaissez seulement ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux ici-là. Vous comprenez un peu, non? Vous vous souvenez quand on faisait l'anniversaire de la mère de Noël? Vous vous souvenez quand on faisait l'anniversaire de Noël? L'anniversaire de la mère de Noël dernièrement là-bas dans le restaurant de Maïma Wadala qui est là-bas à Bali. Quand j'ai lancé mon direct, elle vous a dit quoi? Vous savez d'abord que c'est une personne qui manque peu. Déjà, Noël ne manque pas parce que tellement elle bavarde. Elle n'a pas le temps de mentir. Elle vous avait dit dans son direct que. Mais socoyeuse. Elle vous avait dit qu'elle est socoyeuse de Léa. Sur 100 choses que Léa dit, 99 sont vraies. Elle vous avait dit ça pendant mon direct sur ma page. Non, vous pouvez fouiller l'ancien direct. Elle vous avait dit ça que. Sur 100 choses que Léa dit, 99 sont vraies. Alors, je m'en bats les ovaires. Pour celles-là qui disent que oh, je suis menteuse, je suis manipulatrice, oh, je bavale trop, oh, je suis traiteuse, je m'en bats les oreilles de vos avis. Je m'en fous de vos avis. Vous ne me connaissez pas. Vous voyez juste ce qu'on écrit sur les pages, sur les réseaux. Hein? Léa qui est en face de vous, là, c'est celle qui est sur les réseaux. C'est Campbell des réseaux. Ça, c'est Campbell des réseaux. Maintenant, Léa qui est dans la vraie vie, c'est une autre Léa. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous me regardez honnêtement, je ressemble à une fille mal élevée. Je ressemble à une fille qui est méchante. Non, répondez. Parce que la méchanceté, la sournoisie, l'hypocrisie se lit sur les visages. Vous comprenez un peu, non? Je suis une fille trop vraie. Moi, je suis une fille trop vraie. Quand je suis avec quelqu'un, non, je suis avec toi jusqu'à la gare. Je ne triche pas dans mes choses. Vous comprenez? Que ce soit dans les amitiés, Mbrakata, que ce soit en amour, je ne triche pas. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, mes socoyeuses? Parce que moi, chez moi, quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est gâté, c'est gâté. Quand j'arrange, j'arrange. Je ne passe pas par mille chemins pour dire ma chose, pour dire ce que je pense à quelqu'un. Vous avez compris un peu ce que je dis, non? Quand vous voyez, je vous parle des filles, je vous parle de Aya Aya, je vous parle de Faya Faya, je vous parle de Marco Pomme, je vous parle de Kudelina, je vous parle de Chelsea, je vous parle. On ne passe le même matin comme ça pour parler des gens comme ça pour rien. Hein? Il n'y a pas de fumée sans feu. Si quelqu'un se lève un matin pour commencer à parler un truc concernant des personnes, ça veut dire qu'elle en sait quand même quelque chose. Hein? Je peux tout faire, sauf créer les choses sur les gens. Vous comprenez un peu, non? Il dit, je peux tout faire dans ma vie, mais sauf créer des choses sur quelqu'un. Je ne crée jamais. Jamais je ne crée. C'est pourquoi il vous dit tout que si je prends ma caméra, je mets devant moi. Je commence à parler, non? C'est ce qui est. Vous comprenez, non, mes bébés, c'est ce qui est. Mais là, c'est qui vient écrire que, oh, nous, méfie-toi de. Oh, depuis que vous écrivez, ça vous avez vu, ça change quoi? Ça change quoi sur elle? Donc, vous pensez que je vais aller sur Facebook prendre la photo d'une fille que je connais seulement sur les réseaux sociaux, venir mettre ça comme photo de couverture sur ma page? Non, mais à un moment donné, réfléchissez un peu. Hein? Qu'on arrête de commander l'amitié. Tu commandes l'amitié, tu deviens ridicule. Mais vous êtes bête ou quoi? Vous êtes sûr que ça va pas souvent dans vos têtes là? Donc vous pensez que je l'ai vu sur Facebook, comment elle commente mes posts, je commente pour elle là. Je prends sa photo, ce qu'elle prend sa photo, elle met sur ma photo de couverture. Elle est sur ma page officielle. Apprenez pas à réfléchir. Vous comprenez un peu, non? Sachez qu'avant Facebook là, les gens se connaissent d'abord dans la vraie vie. Et la relation qu'on a dans la vraie vie, on n'est pas venu la mettre sur les réseaux sociaux. Vous comprenez, c'est pas tout qu'on met sur les réseaux. Je vous dis tout que c'est pas tout qu'on met sur les réseaux sociaux. C'est pas vraiment tout qu'on met sur les réseaux. Hmm? Oh, nous, elle te déteste. Oh, tu as amené sa vie sur Facebook. Oh, donc j'amène la vie de quelqu'un sur Facebook. Elle est douce, ma page pour commenter. Oh, elle est hypocrite.
Olé, manipulatrice, je marche avec les mamans de vos familles. Je manipule un maman de votre famille, maman. Hein? Je vous ai tout dit qu'en amitié, comme en amour, il y aurait toujours les hauts et les bas. Il y aurait toujours les problèmes. Il n'y a pas les amitiés sans problème. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas les problèmes. Alors, que ce soit en famille, que ce soit en amitié, les problèmes, il y en aura toujours. Vous comprenez un peu, non? Vous voulez me dire quoi? Vous n'êtes pas les soeurs à la maison avec qui vous vivez. Où vous faites souvent? Attends, toi, tu connais la vie de tout le monde, mais personne ne connaît et ne parle de la mienne. Ce sont les gens comme... Attendez, je vais te répondre, ma chérie. Ce sont les gens comme toi qu'il faut souvent les vrais cadavres pourris dans leur placard. Écoute bien ce que je vais te dire, ma chérie. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu es sur Facebook, hein? Si tu es sur Facebook, tu n'as pas ton cerveau pour réfléchir. Je ne vais pas venir réfléchir à ta place. Tu comprends? Que ce sont les gens comme toi qui ont les vrais cadavres dans les placards, gnon gnon. Hein? Que quand les cadavres dans les plaquettes, elles vont se reconstruire sur Facebook. J'ai dit ici là. Est-ce que j'ai empêché à quelqu'un de donner à mon soco? J'ai dit que quand mon soco, quelqu'un aussi met que sur Facebook, non? Pourquoi faites-vous compliqué? Comme si elle a un tombeau dans vos cerveaux comme ça là. J'ai empêché à quelqu'un de parler de ma vie ici là. J'ai dit que quelqu'un a dit sur moi. Elle vient aussi mettre sur les réseaux sociaux. Je parle en anglais ou je parle en chinois. Mais si quelqu'un a dit sur moi, qu'elle vient aussi mettre sur les réseaux sociaux, on voit, non, maman? J'ai refusé, j'ai fermé la bouche de quelqu'un de dire quelque chose. J'ai arrêté les mains de quelqu'un, j'ai attaché les mains de quelqu'un pour qu'elle puisse écrire ma chose sur les réseaux sociaux. Hein? Non, mais vous êtes souvent trop taré dans mon cerveau. Je vous dis la vérité. Tous les jours, vous êtes en train de commenter. Elle ne t'aime pas. Oh, elle est comme ça avec toi. Oh, oh, elle vient de vous commenter sur ma page. Vous l'avez au gros en train de babader. Donc, vous pensez que vous êtes plus intelligente qu'elle? Vous pensez qu'elle est aveugle ou elle ne réfléchit pas? Vous faites comme ça comment? On va se mettre vendu, maman. Hein? Donc, je suis là comme ça, là, je la déteste. Jamais son socon sur les réseaux. Et c'est encore moi qui parle à l'anniversaire de sa mère. Jusqu'à je mange et sa mère, on boit sur la même table. C'est tout moi qui la déteste. Ouvrez souvent vos cerveaux pour réfléchir un peu. Vous comprenez? Ouvrez souvent vos cerveaux pour réfléchir. On va dire qu'on ne mélange rien. Ce qui arrive sous la toile, on parle. Même si c'est la mère de quelqu'un, même si c'est ta copine, même si c'est ta soeur. Quand ton roi est arrivé sur la toile, c'est comme ça, on parle, on a instauré ça, et c'est comme ça. Moi, comme j'ai mis sa photo sur ma page hier, si tout à l'heure m'énerve encore son socosso, je parle, non, et qui se le game, non? Hein? On doit être fair play. Est-ce que, il y a des sentiments sur ça, maman? Il y a des sentiments sur ça? Si tu ne veux pas qu'on parle de la chose, ne viens pas me mettre sur Facebook. Quand on va poster tes news, c'est pas tes nudes. Les mbrakata. Si quelqu'un vient sur moi, c'est qu'elle est mise sur Facebook depuis. Il dit que, il vous donne la permission. Mettez. Vous êtes même taré ou quoi? On a seulement parlé en anglais pour que vous puissiez comprendre. Tous les jours, vous parlez les choses. Vous voulez tout écrire les mêmes choses. Léa, tu as fini mes méga avec ton socodier. Ouais, mon bébé, ça c'est aujourd'hui, non? Yesterday, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, non? Yesterday, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, passez, si vous voulez, c'est une parenthèse. Si vous voulez vous passer vos temps sur les réseaux, vous n'utilisez pas vos cerveaux pour réfléchir. Vous prenez vos cœurs. On ne réfléchit pas avec le cœur, on réfléchit avec le cerveau. Vous comprenez? On réfléchit avec le cerveau. Oh Aïcha, oh il faut des méfies de Léa. Oh Aïcha, il faut des méfies de Léa. Vous avez écrit, c'est écrit. Elle est venue ici, on dormait ici et on partait chez elle dormir. Vous allez seulement faire comment? Hein? Vous pouvez pas dire aux gens comment ils vont vivre. Vous pouvez me dire avec qui je vais marcher. Vous pouvez pas dicter avec qui je dois parler. Je parle à qui je veux, je marche avec qui je veux. Hein? Gars, mon frère, des fois, non, vous me faites de la peine. Vous me faites vraiment de la peine. Moi, j'ai pas suivi les voices là tout à l'heure. Tu as partagé le direct ce qu'on est en train de parler. Hein? Vous savez d'abord qu'habituellement, quand il y a le socon de Noël, Aïcha décortique elle toujours. Mais ça ne veut pas pourtant dire que. Envoie les cœurs pendant que je parle, mes bébés. Quand le socon de Noël vient se retrouver sur la toile. Ça ne veut pas toujours dire, quand Aïcha décortique le socon de Noël constamment, c'est parce que le socon de Noël arrive aussi beaucoup sur la toile. Vous comprenez un peu, non?
Et après, comme je dis toujours que dans le game, chacun a ses préférés. Je ne dois pas vous rappeler cela. Chacune a ses préférés. Il y a les sorokins qui arrivent, Aïcha décide de ne pas parler. Je ne dois pas la forcer de parler. Il y a d'autres sorokins qui arrivent comme ça, elle décide qu'elle doit parler. Et elle parle, maman. Est-ce que je vais la forcer de ne pas parler? Je lui dis que de parler. Si je lui dis de parler, elle parle, elle ne parle pas, c'est quoi dedans? Mais faire le sorokin, je ne veux pas dire qu'on déteste une personne. Parce que j'ai vu comment elle a fait un post sur Noël hier. Elle a dit à Noël, c'est juste qu'elle s'est mal exprimée. Elle voulait dire à Noël que, gars, ne stresse pas. Dès que tu vas accoucher, je vais aussi sortir le sorokin de Mimi. Vous savez que j'avais dit ici sur ma page que avant je trouvais que Mimi était une personne de discrète. Je trouvais que c'était une personne qui ne mettait pas ses choses sur les réseaux. Elle était vraiment discrète dans ses choses. Vous voyez un peu, non? Mais être discrète ne veut pas dire qu'on ne vient pas dans son corps. Vous savez que Facebook, c'est une plateforme de sorcellerie. Que tu sois, moi, si tu es discrète jusqu'à tu mets que le voile, tu es gentil, même plus que l'ange Gabriel. Les gens vont toujours te fouiller dans son corps ce qu'elle venait nous donner. Vous comprenez un peu, non? Donc, même si nous ne parlons pas de certaines personnes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas leur soco. Il y a les socos, des gens pleins comme ça là. Mais des fois, comme ça, nous on regarde le soco, on dit bon, c'est ça non? Elle est trop dans son angle, on décide de ne pas parler. Mais un jour, comme ça, quand la personne nous énerve, nous ne pouvons pas aussi sortir son dossier et parler. Comme ce qui s'est passé hier, non? Hein? Je ne comprends pas le soco de partir donner à Aïcha hier. Quand après les posts où on a vu comment Mimi et Marc Pomme ont fait les queues et mettre sur Snap partout là. Je ne comprends pas le soco de donner à Aïcha. Aïcha, nous tous on sait que Mimi c'est la batte combi de Noël. On n'est pas en train d'imposer avec qui quelqu'un doit marcher. Vraiment, honnêtement, Mimi est libre de marcher avec qui elle veut. Et dans la vie, il y a le sang qui colle. Bon, ça peut coller par exemple avec qui? Avec Doris Ayam. On peut être que trois copines comme ça. Il y a Doris, il y a Amel qui est en train de me regarder. On est trois amis. Mais mon sang colle peut-être plus avec Doris. Ce n'est pas de ma faute. Vous comprenez que je suis en train de dire non. Donc moi, je ne suis pas en train de dire peut-être à Mimi que... Oh, elle devait seulement marcher avec Noël. On sait qu'elle a beaucoup fait. Elle a fait l'université avec Noël. C'est des copines de longue date. On connaît bien ça. Mais après, on voit, ça sort d'aller qu'elle préfère toujours Muriel. Ça sort d'aller qu'elle est plus attachée à Muriel qu'à Noël. Hein? La première fois, quand l'occasion se présente, elle se snap avec Marc Pomme, elles se font les éloges et tout. Mais avec Noël, ce n'est jamais pareil. Et rarement, je vois Noël sur les statues ou sur les snaps de Mimi. Vous comprenez, non, bébé? Je dis bien rarement, je vois Noël sur les statues de Mimi ou sur ses snaps. C'est vraiment rare. Même qu'elle était encore vraiment collée à l'époque. C'était rare que je voyais. Oh, dès qu'elle est un peu proche de Muriel, les snaps vont pleuvoir. Tu sens qu'avec Muriel, c'est fluide. Tu sens qu'avec Muriel, elle est plus à l'aise. Hein? Avec Noël, on voit qu'il y a du retenu, elle se retient, on voit que ce n'est pas pareil. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, non? Donc, on ne peut pas, je ne sais pas ce que je peux dire, je ne sais vraiment pas. Il ne comprend pas comment l'amitié avait commencé. Donc, quand Aïcha a vu le post hier, je ne sais pas ce qu'on est venu donner à Aïcha. Après, il se m'a vu comment Aïcha allait faire le post qu'elle a fait, elle a dit à Noël que, gars, ne pleure pas. On a vu comment tu y allais, mon mimi, on a vu. Gars, elle a fait son post comme elle ressentait. On doit aussi la juger pour ça. Elle écrit ce qu'elle ressent. Elle a dit que dès que Noël va accoucher, elle va aussi sortir de son corps de Mimi. Comme je vous dis que si par exemple on ne parle pas de ce personnage, ça ne veut pas qu'elle passe son corps. Il y a le socor. C'est vrai, c'est sorçon. Vous comprenez comme elle est socorieuse. Vous savez que je ne suis pas moi sur le vampirisme, non? Puis je ne sais, non? Je ne suis pas moi sur le vampirisme. Attendez, je change la perruque. Chez moi, quand c'est bleu, c'est bleu. Donc, même si Noël nous dit qu'elle n'a pas mal ou que ça la laisse indifférent, si Noël veut nous dire ici là que. Attendez, mes bébés. Face à cette histoire, Noël ne peut pas nous dire que non, ça la laisse trop indifférente. Non, maman, attendez, je vais. Et ma soeur, bien, j'ai rangé ma perruque. Face à l'histoire, sinon, mais socoyeuse, Noël que ne peut pas nous dire que non. Hein? Ah. Nous ne pas nous dire aussi que non, l'histoire se la laisse trop indifférente. Non, on connaît nous tous ce que c'est que de marcher avec une personne pratiquement pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans. On sait ce que ça signifie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? On sait ce que ça signifie. Marcher avec une personne que tu considères, que tu aimes, tu chéris de tout ton cœur pendant pratiquement 15 ans ou 10 ans. Après, elle rencontre une autre personne, elle s'attache plus à la personne qu'à toi. Même si tu es grillé, comment ça va quand même te faire un tic dans le cœur? Il n'y a pas un cœur qui a l'os.
Il n'y a pas un cœur. Tu as encore commencé avec des perruques. Maman, j'ai acheté pour faire quoi? Il n'y a pas un cœur qui a l'os. Donc, hier, j'ai vu un commentaire que Noël a laissé sur la page de Aïcha, où elle disait que elle dit qu'il faut aider Aïcha qu'elle ne pleure pas et que quoi là, qu'elle était elle en train de puiser son eau. Et que si à ce moment, il y a quelque chose qui lui fait mal, c'est son dos. Son dos parce qu'elle est enceinte. Vous comprenez pas dans ce commentaire qu'elle a laissé sur la page de Itounou, Aïcha hier. Moi, j'ai analysé. J'ai dit que ouais, la fille ne va jamais cesser de jouer les fortes. Les femmes fortes. Tu n'as pas le cœur en or, Noël. Je ne sais pas si tu vas regarder mon direct maintenant ou plus tard tu vas tomber sur mon direct. Il n'y a pas un cœur qui a l'os. Il n'y a pas un cœur qui a l'os. On connaît tous, nous sommes les filles. On connaît l'histoire des copines des amours et là. On sait ce que ça fait. Nous, on sait. On sait que ça t'a affecté. Mais si tu n'as rien dit, mais si tu es resté forte face à ça, on sait que ça t'a beaucoup affecté. Et c'est normal. Tu es un être humain avec du sang qui circule dans ton corps. Tu n'es pas un caillou. Hein? Alors, c'est normal que quelque chose te blesse. C'est normal que tu te sentes mal en tant qu'être humain. Tu comprends, non, ma chérie? Alors, moi, personnellement, j'ai changé ma photo de couverture hier. J'ai mis, pour Noël Kemwe, j'ai mis ma photo de couverture hier pour lui dire que je ne suis pas trop proche de Noël. On n'est pas, on va dire qu'on est copine que... Elle, pour moi, Noël est comme une grande soeur que je respecte. Elle est comme une grande soeur que j'aime bien. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, c'est une grande soeur que j'aime beaucoup et que j'affectionne. Je ne peux pas lui dire que c'est ma copine. Non, c'est pas ma copine. C'est une grande soeur que j'affectionne beaucoup. Vous comprenez pas ce que je dis, non? Donc, j'étais en train de vous dire que moi, j'ai mis sa photo hier. C'était une façon de lui dire que non, maman. Je suis avec toi. Je suis avec toi. C'était pour moi une façon de la reconforter. C'était pour moi une façon de lui dire que, gars, il n'y a pas seulement, il y a plein de personnes qui t'aiment. Vous comprenez, non, mes chéris? C'était une personne, une façon de lui dire que, en dehors de tes amis que tu as faites, en dehors des amitiés que tu as tissées depuis l'enfance, ou depuis tant d'années, en dehors d'elle, il y a d'autres personnes aussi qui t'aiment et qui t'apprécient pour ce que tu es. Vous comprenez un peu, non, mes chéris? Donc, c'était une façon pour moi de lui dire, gars, je suis avec toi, je t'aime bien. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce n'est pas comme si elle avait un problème. Elle n'avait pas un problème hier. Moi, j'ai posté ça, quoi. C'est mon cœur qui m'a demandé de poster. Vous comprenez ce que j'ai dit, non? Oui, Noël, c'est ma grande soeur. Noël, c'est ma grande soeur. Oui, oui. Alors, Noël, que moi, si à jamais tu tombes sur ce direct, ma chérie, je t'aime bien. Je connais Noël que moi qui n'est pas... J'aime Noël qui est hors des réseaux. C'est une fille trop géniale. C'est une fille que... Quand elle est avec toi, non? Quand elle dit qu'elle est avec toi, elle te gâte. Elle est avec toi, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, elle est avec toi. L'amour qu'elle a pour Mimi, l'affection qu'elle a pour Mimi, gars, elle ne peut jamais me donner ça. Parce que Mimi restait Mimi. Et c'est comme elles ont commencé avec l'amitié. Je précise, je sais que ce n'est pas mon ami. Elle dit que... Oui, c'est Noël que moi qui a commenté. Elle dit que ça m'affectait, ma. Elle dit que ça m'affectait, ma. Plus maintenant. Me snapper, c'est rien. Il faut être là quand je suis malade. C'est le plus important. Et puis l'amitié m'aide à payer l'avocat pour le procès des kékés. Voilà. Donc, voilà son commentaire. Elle dit là que elle dit que snapper et la poster, c'est rien. Si tu es son ami, tu dois l'assister quand elle est malade, quand elle aussi est dans ses moments de détresse. Alors, quand elle dit ça indirectement, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que Mimi n'est jamais là quand, par exemple, nous a besoin d'elle. Ça veut dire que Mimi n'est pas là quand nous a besoin d'elle. Oui. Vous comprenez un peu, non? C'est comme un commentaire que j'ai lu sur la page d'Aïcha hier. Je ne sais même pas, c'était trop long. C'était trop long. Vous comprenez un peu, non? Maman Noël, je ne connais pas vos amitiés, mais moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai connu Mimi à l'époque derrière Noël Kemoui. Parce que j'ai connu Noël avant Mimi. Et j'ai connu Mimi derrière Noël parce que Noël saturait, à l'époque, Noël saturait Facebook.
quand Mimi sortait une chanson, nous devions partager sur toutes ces plateformes. Facebook, WhatsApp. À l'époque, Snap ne chauffait pas encore comme aujourd'hui. Donc, je vois sur mes statuts WhatsApp comment Noé postait Mimi, elle écrivait B. B, là, qu'elle écrit B-A-E. Donc, elle couvrait Mimi des loges. Elle appréciait tellement Mimi. Donc, elle faisait comme si Mimi était un dieu. Elle vénérait Mimi, si je peux même dire ça ainsi. Vous comprenez un peu, non? Il dit bien les trucs qui font peut-être 6 ans, 7 ans. 6 ans, même 7 ans aujourd'hui. C'est derrière Noé que j'ai connu Mimi, pas sur les réseaux, sur ses statuts WhatsApp. Vous comprenez, non, mes chéris? Voilà. Donc, moi, je peux dire que, gars, l'amitié, là, non, c'est un truc de compliqué. C'est ça qui dit que je ne peux pas, moi, juger Mimi aussi. Mais Mimi, même si tu n'es pas moi une personne, et que la personne est là pour toi, c'est quand la personne est aussi dans les problèmes ou quand la personne est en détresse, tu dois être là pour elle aussi. Comme maintenant que Noël est enceinte, tu devais être là pour Noël. Maintenant, là, qu'elle est enceinte, laissons donc la maladie, parce que moi, elle est malade rarement. Maintenant qu'elle est enceinte, toi, je devais être aussi là pour elle. Je regarde les statuts de Noël constamment. Mais si tu venais chez Noël, même seulement pour rendre visite à Noël, Noël devait poster en statut, il devait voir. Mais quand Noël passe chez toi, il poste en statut, je vois avec mes yeux cela. La dernière fois, Noël était chez toi avec ses enfants. J'ai vu comment elle était chez toi. Hein? Elle a posté comment elle était chez toi. Mais toi et vous, je ne vois jamais ensemble. À chaque fois qu'elle avait toi et qu'elle trouve l'occasion, elle snap, elle poste. Gars, c'est vrai que ça ne signifie rien, mais au fond, quand même, c'est quelque chose. Vous comprenez un peu, non? Elle manque de se recevoir seulement honte d'elle. Bah, non, excuse-moi, hein? Elle manque de se recevoir avec honte de toi. On se casse seulement honte de toi, même. Comment qu'elle avait toi ne snap pas? Elle est ma copine, mais elle snap ma copine. Elle se sent à l'aise avec ma copine. Je vous dis la vérité. Moi, je trouve que Mimi se sent plus à l'aise avec ma copine qu'avec Noël. Honnêtement. Voilà. L'amitié doit être naturelle, vraie et réciproque. Et si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Vraiment. L'amitié à trois n'est plus l'amitié. Mimi a choisi son côté jusqu'à aller faire les cœurs, non? Jusqu'à aller tatouer les cœurs sur les doigts. On va faire comment? On va la fouetter, maman. Et c'est aussi ça que elle fait aussi, c'est que son cœur lui demande de faire. Hein? C'est ça que dit, elle est plus à l'aise avec Marco Pomme qu'avec Noël. Ça se voit qu'elle est plus à l'aise avec Marco Pomme qu'avec Noël. Pumba. Parce que je sais que ce que je vais dire, moi-même, quand j'observe l'amitié là, avec Mimi, Noël et Muriel, Mimi est plus à l'aise qu'elle au côté de Muriel. Oui, c'est la triste vérité. Tu vois comment elle avait Muriel, qu'elle se snap, tu vois comment elle est toute joyeuse. Donc, tu sens comment elle est fière d'être avec Muriel. C'est, on voit que ça coule. C'est, gars, avec Noël, tu vois quand elle fait les photos, Mimi va taper sur vous là que. Elle va taper léger sur vous comme ça là. Pourtant, elle est Muriel, c'est. Vous voyez? Dès qu'elle est à côté de Noël, on dit le selfie fait. Le comportement de ça. Avec Muriel, se lâche. Wouh! Photo! Wouh! Eh! Wouh! Elle assume Muriel. Comme la grosse a dit, elle assume Muriel. Elle assume plus Muriel, maman. Tu as bien vu, ma chérie. Vous voyez un peu, non? Non, maman, moi, dis-moi la vérité. J'ai dit, moi, ma vérité, même si ça va blesser. Moi, je suis, moi, une fille vraie. Un peu, amore. Amore. Amore, gnognon. Amore, gnognon. Quand c'est pour nous, un gros B sec, là, B sec. Que B gnognon. Oh, amore. Les déclarations s'approchent de Muriel. Ils sont mortes. Mais ils sont connus, ils sont mortes avec les déclarations encore ces temps-là. Où ils vont encore nous apporter? Parce qu'à la lune, qu'elles ont commencé à dessiner les cœurs, là. C'est comme si elles vont marcher avec le cœur même maintenant, comme ça, pour qu'on voit pour qui bat plus que pour l'autre. Haba! Ate, tum! Comme elle me fait souvent. Ouais, hein? Maman, que moi? Reste dans ton coin. Reste dans ton coin, maman. Moi-même, j'ai même pas eu trop de chance en amitié dans ma vie. Mais les quelques amis que j'ai eu aussi à mes côtés étaient vrais. Ils n'ont jamais moi aimé quelqu'un, ça n'a pas été réciproque. Si j'étais me voir quand tu fais un genre, monsieur Bonga était 5 ans premier. Vous comprenez un peu, non? Il était 5 ans.
Les choses là qu'il y avait, ça m'a fait vous forcer. Je décris, tu, à 9, tu me reprends à 13. Je ne suis pas sur ça. Deux morts. Et qui est dans mes ascoins. Deux morts. Aide. Tu as même longtemps supporté l'amitié, Mbrakadala. Hein? Regarde à l'époque, comment elle portait encore les complets, complets avec nous. Et les robes marrons là qu'elles portaient. Elles avaient les plaies, celles et deux. Et pourquoi elles se filment comme ça là? Elles montrent les ailes. Elles se filment comme pomme. Le sourire, hein? Mais là, que son sourire là, non? Donc, elles se sentent à l'aise. Maintenant, c'est Rambo qui m'inquiète dans tout ça. Magnissime et toi, pour moi, c'est quoi? Elle a su Muriel et aime bien son affaire. C'est Noël. C'est Noël. Elle fait comme si on la forçait. Maman, j'ai cru que je voyais ça seule. J'ai cru que je voyais ça seule. Merci à vous qui témoignez là. Merci à vous qui... C'est Noël qui force l'amitié, c'est là. C'est comme moi qui force ça avec sa voix de Dondol. Maman, tu ne voyais pas qu'on ne t'assumait pas. Tu ne voyais pas que Mimi ne t'assumait pas. Hein? Eh, hey, reste là, elle est forte, elle enseigne de... Tu connais même Noël? Elle a vécu pire que ça, reste là tranquille. Mimi veut les amis riches ou grosses voitures. Oui, quelle maman ses amis riches et grosses voitures? Donc, Noël, ce n'est pas riche, maman. La richesse même c'est quoi? Pour vous la définition de la richesse même c'est quoi? Les grosses voitures, les grosses maisons, c'est pour vous la richesse ça? Ok. Je préfère quelqu'un qui est pauvre, qui m'assiste, qui est là pour moi. Hein? Je préfère quelqu'un qui est pauvre, qui m'assiste, qui est là pour moi, qui m'aime de tout son cœur, de tout son être et de toutes ses forces. Qu'une personne qui doit être riche et être hypocrite, être orgueilleuse et avoir envers moi. La richesse c'est quoi maman? Pardon, donc je ne vis pas. Moi, je suis pas belle. Donc, je ne vis pas. Hein? On est qui riche au fond de quelqu'un? Où est-ce que vous l'argent là où? Un jour, on va aller filmer les comptes des filles. Mais mec, je suis sur Facebook. On voit ce qu'on appelle richesse là ici, chaque temps. Un peu, t'es les riches. Ah, on est un jour, on voit qui nourrit qui. Hein? Donc, avoir la voici le signe de richesse. Hein? Ok. D'accord. J'ai compris. Allez chercher donc vos amis riches. On vous a accouché dans l'argent. On est en train de graver l'argent un jour. Il n'y a pas de problème, non? Mais comme vous voyez les commentaires, non? Chacun dit, chacun a envie de définir ton amitié avec lui ici sur la page, ici là. Avec sa voix de quoi, ma mère? Ouais, mon Dieu! Après aussi, maintenant, Marc Capop est au milieu. Marc Capop aussi reste de son côté. On ne sait pas comment ils ont refait pour arranger les problèmes. Noël a dit, Aïcha a dit dans son direct que quand Mimi allait arranger ses problèmes, elle n'a pas dit à Noël. Hein? Elle a seulement surprise Noël comme ça. Là. Vous savez qu'elle était amie à trois avant, non? Mais là, quand Mimi Fayafaya est allée arranger ses problèmes avec Muriel, elle n'a plus dit à Noël. Noël a seulement soupçonné et c'était à ça. Hein? Ah! C'est le problème. Quelle richesse, même pauvre fille et prostituée. Non, on ne les insulte pas, même. On ne les insulte pas sur le socor. Ne les insultons pas. Vous voyez un peu, non, sur le socor. On donne seulement nos avis. On donne seulement nos avis. Qu'est-ce que je suis en direct d'arrêter de m'appeler? Surtout là, c'est quand quelqu'un en direct que vous venez aussi lancer les bêtes appels, Mbrakata. Noël est la vraie amie. Est la vraie amitié que l'on peut avoir. Je t'aime, Aya Apang m'a écrit aussi en français, non? Tu parles trop bien. Avant, je ne t'aimais pas à cause du buzz avec Rosine. Ah! Laissez-moi, maman. Il y a trop de personnes qui ne m'aiment pas. Je m'en fous. Si c'est 100 personnes et que. Si c'est 300 personnes et que 295 n'aiment pas hypocrisie, pour faire 5 qui m'aiment pour de vrai. Ici sur Facebook, elles sont trop bipolaires. Vous n'êtes pas l'ami propre. Vous n'êtes pas l'amour propre ici sur Facebook. Si je fais le direct ici, là, c'est vous, on est ici, on rigole ensemble, on fait le socop. Si vous partez maintenant, là-bas sur une autre page, je vois où on m'insulte, où on m'accuse sur un truc, vous allez vous aligner maintenant que la page là. J'ai compris que sur Facebook, il y a trop la bipolarité. Maintenant, Rambo, comme je disais hier, maintenant on ne connaît plus, on va mettre Rambo où maintenant oh? Ah, en tout cas, Rambo a toujours été aussi là, le genre comme ça, quand c'est là, avant qu'on va vers elle. Rambo aussi, un peu comme Noël, quand ça rame un peu de tous les côtés avant qu'on se souvienne d'elle. Elle va supporter, non, elle ne va pas encore supporter.
Rambo doit supporter. Déjà que déjà Rambo se fait être trop rare depuis un certain temps. Depuis Rambo ne se bat plus trop. Elle n'est plus trop présente sur les réseaux. J'avais cherché son corps. On m'a dit que Rambo travaille. Quand on dort du cinéma comme ça, là, son petit boulot là qu'elle fait. Vous voyez un peu. Donc, parmi tous ces filaments, c'est maman Rambo la plus mature. Le reste, c'est le mbrakataïsme. Vous voyez un peu, non? Mm-hmm. Qu'elle se réconcilie avec Chelsea Suzy. Est-ce qu'on agrée de se réconcilier? L'amitié n'est pas comme vous pensez là, hein? Quand tu es ami avec une personne, toi, c'est ce que tu as eu à traverser avec la personne. Toi, c'est l'amour que la personne t'a donné ou l'amour que tu as donné à d'autres personnes là. Alors maintenant, quand vous voyez deux personnes, deux copines qui ont eu les problèmes, on ne dit pas qu'elles vous réconcilier. Le jour où elles seront prêtes, elles vont se réconcilier. L'amitié où deux personnes se séparent, c'est seulement que ouais, réconciliez-vous là, ce n'est pas l'amitié. Même si elles se réconcilient, elles vont se réconcilier parce que vous avez dit et par rapport à vous. Alors si maintenant chacun reconnaît ses erreurs et va vers une autre personne, Et décide de se réconcilier. C'est bien, c'est authentique. C'est chaud, hein? Vous comprenez? Non, mais ce que... Noël, elle-même, est facile. Elle passe tout son temps à rabaisser Mimi et son gars sur Facebook. Elle a rabaissé... Tu connais le gars de Mimi, maman? Elle a rabaissé le gars de Mimi. Tu connais le gars de Mimi? Hein? Vous dites encore, babadé. Et elle rabaisse son gars sur Facebook. Le lendemain, vous les voyez tous ensemble. Vous n'êtes pas souvent... Ça vous fait pas souvent bizarre. Je sais ça te couvre, hein? Tous les jours, vous dites qu'elle rabaisse son gars. Après, demain, vous les voyez en train de faire bisous, en train de s'embrasser. Mais calmez-vous. Vous pensez que vous pouvez vous mettre dans... Vous pouvez parler sur l'histoire de deux personnes qui sont venues nues. Que quelqu'un là, elle porte l'enfant de quelqu'un homme en nez. Vous pouvez tout mettre vos bouches dans les histoires. Vous n'avez pas encore compris quoi. Regardez, prenez l'exemple. Moi, je suis fatiguée sur l'histoire de Fingon. Et je ne parle plus. Vous ne pouvez rien faire. C'est un couple. Ils sont matures. Ou bien... Noël est tellement sincère et vrai. Le milieu artistique camerounais est très hypocrite. Très, maman, tu dis hypocrite comme ça, là, mets au carré. Mets au cube sur ça. Hypocrite au cube. Que quand vous montrez ses dents avec ça, genre, waouh, mais attends, t'es trop belle. Pendant que t'as pris ça, que te mets le couteau dans le dos. Personne n'aime personne dans ce milieu-là. C'est ça qu'il vous dit que non, à un niveau, à un moment de non, même moi, on va dire que. Oh, Tu marchais avec elle. Oui, je marchais. Elle vous a dit que pendant qu'on marchait ensemble, j'ai fait quoi de mal à quelqu'un? Pendant que je marchais tous ces filles-là, quelqu'un vous a dit que j'avais fait un truc de mauvais pendant qu'on marchait ensemble? Non! Quand elle marche avec quelqu'un, j'apprends à te connaître ton bon côté, ton mauvais côté. Ton mauvais côté, là, j'évite. Et la plupart des temps, je ne cherche pas le côté sombre des gens. Vous comprenez? Je ne cherche pas le côté sombre des gens. Parce que si tu cherches le côté sombre d'une personne, vous n'allez jamais vous entendre. Tout ce que la personne fera, non. Tu vas toujours voir ça négativement. Alors moi, je ne fouille pas le côté sombre des gens. Ton côté positif que tu me montres, je prends ça et je vis avec comme ça. Et le couloir que chacun me donne dans sa vie, je respecte. Vous comprenez? Je ne force pas les choses. Le couloir qu'on me donne, non. Je m'aligne, je reste où on m'a déposé. Je ne force pas. Il n'avance pas, je ne recule pas. Vous comprenez? Alors, je pense que c'est la meilleure façon de vivre même. Le couloir qu'on te donne, non, maman. Tu prends et tu acceptes le couloir qu'on t'a donné. Tu ne forces rien. Tout ce qu'on force là, non, ça, c'est toujours bizarre après. Vous comprenez? Voilà. Chacun de nous a un bon côté et un mauvais côté. C'est ce que chacun a dit, non, mes bébés. Chacun de nous a un bon et un mauvais côté. Chacun son bon et son mauvais côté. Et pas tout. Et quand on le fruit, tout le côté sombre ou le mauvais côté d'une personne. Si moi, mamie, son conseil là, si vous vous concentrez seulement sur le fait que je descends les gens, vous ne cherchez jamais à savoir aussi comment mon fond, vous êtes toujours me haïr. Oh, je ne suis pas seulement celle-là qui descend les gens. J'apporte aussi beaucoup d'amour à mes proches. Beaucoup, beaucoup d'amour. Hein? C'est ce que vous ignorez. Je suis femme sensible. Je suis sensible. Oh, oh. C'est la meilleure façon. Qu'elle reste seule. Mieux vaut être seule que d'être mal accompagnée. Moi, je vais vous dire il y a toujours. Bécrit bien, non. Donc. Mais est-ce que Noël et Mimi ont un problème? Maman, je veux même plus savoir si elles ont un problème ou elles ont un malheur. Je m'en bats royalement les ouverts. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est un peu comme aujourd'hui, je suis avec Aïcha. Là. Tout le monde connaît sur la toile que je suis proche d'Aïcha. Et on sait qu'Aïcha est proche de moi. C'est comme si aujourd'hui, il y a une troisième personne au milieu de nous. Et qu'Aïcha commence maintenant plus à marcher avec celle-là. Je dois être jalouse. Ça doit m'énerver.
si c'est peut-être moi qui commence à marcher avec celle-là, ça va aussi énerver Aïcha. C'est un truc naturel, c'est un sentiment naturel. C'est un sentiment naturel. Oui. Le monde du cinéma, moi, j'ai fait. Allez, pour bêta, je reste derrière, je vois où. Ah ouais? Joanne, voilà. Donc, c'était un peu une parenthèse. C'était une parenthèse. Donc, Noé, j'espère que tu as compris mon message. Tu restes de ton côté. Le jour où Bibi t'appelle, tu es libre de voir soit décrocher ou pas. Hein? Tu es libre de voir soit décrocher ou pas. Vous êtes tous dit, il y a des choses qu'on ne force pas. On ne force pas l'amour. Tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer comme toi, tu aimes aussi cette personne-là. Si ça avait Muriel, elle se sent plus bien, plus à l'aise. Gars, tu la laisses. C'est pas comme si tu es en train de l'arrêter ou tu es en train de faire quelque chose, mais c'est une façon de parler. Peut-être qu'elle est plus à l'aise avec Muriel, comme nous tous sommes en train de voir là. Nous tous, on a vu, si on témoigne, quand on prend des Muriel, elle est plus à l'aise. Elle est plus épanouie qu'elle avec Muriel. Avec toi, ce n'est pas le cas. Tu respectes, tu comprends que ce que tu ressentais, ce n'était pas réciproque. Point barre. Maman, viens. Moi, je reste seule. Pour moi, elle est trop bien pour ses filles. Elle mérite mieux. Ah, que moi. C'est ça, hein? Ma perruque est de chez Marilyn Hairstyle. Vous pouvez voir cette même perruque chez Marilyn Hairstyle. Regardez le charisme que la perruque me donne. C'est pas le quartier. Regardez la coloration. Blonde, genre, vous voyez, avec un peu le make-up nude que j'ai fait là. Ça devient un truc de ouf. Marilyn Hairstyle fait de la confession des perruques. Vous pouvez prendre vos anciennes perruques que vous êtes allé à coller ailleurs. Vous partez donner à Marilyn, elle refait le relooking. Elle fait le relooking sur votre perruque, qu'elle devient comme celle-ci sur ma tête. Vous comprenez, non? Marilyn Hairstyle est située à Camtel, Makepe. Vous pouvez faire vos formations là-bas pour confesser des perruques comme elle. Elle est trop, trop, trop forte. Donc là, ce sont ses œuvres. Hein. Au Cameroun, je vois pas une qui réussit la coloration et qui fait la peau sans couleur comme Marilyn. C'est la seule, c'est l'unique. Tu as quel niveau d'études, ma Soko? Il y a le bac à café espagnol. C'est combien la perruque là que tu as sur la tête? Je sais même pas que c'est combien là, maman. Marilyn Hairstyle, viens répondre aux commentaires ici là. Mes prix ne sont pas les. Les prix qu'elle me vend, ce sont les prix qu'elle va vous vendre aussi. Ne l'a trop d'amour à donner qu'à recevoir. Chaque niveau d'études. Bac à café espagnol. Pomba. Vaut mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Ouais. Moi je connais Mimi. Elle est aussi une bonne personne. C'est juste qu'elle aime Mumu plus comme on l'a bien dit. Oui, elle aime plus Muriel. C'est un sentiment naturel. On doit aussi lui en vouloir pour ça. Mais on a dit quand tu es aussi avec une personne. La passée, c'est moi qu'on dit que si même une personne t'aime et que ce n'est pas réciproque, c'est qu'elle fait pour toi. Si elle est dans les moments difficiles, il faut aussi être là pour elle. C'est tout ce qu'on a encore dit ici, la maman. Est-ce qu'on va la forcer à aimer Noël comme elle aime Mumu? C'est un sentiment naturel. Oh là là. Donc, le nouveau soutien qui me plaît aussi jusqu'à... Léa, la vraie amitié ne se définit pas uniquement sur le nombre d'années. Ouais, est-ce que je me suis basée sur le nombre d'années, ma chérie? Je ne me suis pas arrêtée au niveau du nombre d'années. Tu peux rencontrer une personne aujourd'hui, mais tu la considères plus que celle que tu as connue il y a 15 ans ou 20 ans. Hein? Moi, je suis sur ce que chaque personne a eu à apporter à l'autre. Ou sur ce que chaque personne apporte à l'autre. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de juger quelqu'un. Je ne juge ma personne. Je suis en train de donner mon avis. Je parlais comme c'était sur la toile hier. Vous avez témoigné. Hein? Voilà. Donc, c'était un peu ça. Voilà. Donc, Noël, en dehors des personnes là, de tes amitiés que tu as fait dans le passé, il y a plein de personnes qui t'aiment encore. Plein de personnes que tu ne connais même pas. Mais il y a certaines surprises dans le direct ici qui t'aiment plus que tu ne peux l'imaginer. Moi-même aussi, je t'aime bien. Je t'aime bien. Et mille personnes, pas seulement que vous marchez ensemble forcément. Il y a des personnes qu'on aime pour rien. Noël est ce genre de personne que tu aimes même pour rien, tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes. Poupie est avec qui? Poupie dans son couloir depuis Noël. Elle a essayé aussi avec Robo. Poupie a aussi essayé de marcher avec Robo. Mais depuis, on ne les voit plus trop. Ceux qui sont aussi du côté là, c'est facile, maman. Les amitiés entre filles est facile.
Surtout les filles qui font dans le même métier, c'est facile. On a aussi vu Coutelina. On a aussi vu Coutelina avec un robot ici un temps avec les messages d'amour. Depuis, on ne voit plus les messages d'amour quelque part. Sur le social, à Hamnor, on va les forcer, maman. Laissez notre Aya Aya tranquille, s'il vous plaît. Elle est très bien seule. Mais la clim. Mon salon est trop grand. Et il y a trop d'ouverture chez moi. Je ne peux pas mettre la clim ici au salon. Le salon est trop vaste. Et il y a trop d'ouverture. Les clims sont. Et mets les clims dans les chambres. Au salon, je ne mets pas la clim. Je mets le ventilateur au salon parce que il vient seulement au salon quand il doit faire mon soco. Il vient au salon quand je vais manger. La poupée est dans ma chambre. Bien. Vous avez compris, non? Poupi est avec Cindy et Madé. Poupi n'avait personne, maman. Son meilleur ami, c'est Eric de Paris. Il y a un gars qu'on appelle Eric de Paris. Ton salon est énorme. Oui, tu es venu ici, non, on est là. Mon salon est trop grand. Si tu mets la clim ici, il y a un long couloir là qui part là-bas dans les chambres. Il y a la grosse porte ici avec la belle vitrine. Il y a la grosse fenêtre là. Il y a ceci là. Je mets la clim ici, c'est peine perdue, pardon. Il y a le compteur prépayé. Tous les deux jours, on paye les 10 000. Et travaille où, maman? Il faut même 4 clims dans ton salon. C'est trop vaste. Je te jure, on est là. Voilà. Voilà, mais son collège, c'était un peu ça. Et concernant Pifo, nous avons eu de graves révélations. Il y a de très grands. Les relations sur Pifo qui est en cellule, qui est en prison depuis ce temps-là. Vraiment, les dieux, l'homme, hein? C'est ça qu'on vous dit que de vous entourer de 1000 personnes qui vous aiment hypocritement parlant, soyez entouré de 5 personnes qui vous aiment d'une façon sincère, de manière sincère. Voilà aussi Pifo là-bas qui est parti, qu'on l'a mis en prison depuis. J'ai seulement vu sur ses statuts WhatsApp comment le gars l'autre écrivait que depuis qu'il est arrivé là-bas, il y a 2 personnes qui sont venues lui rendre visite. Lui, on dirait lui rendre visite, on rend visite à quelqu'un. Donc j'ai vu comment Pifo a écrit dans son direct que il y a juste 2 personnes qui sont venues lui rendre visite depuis qu'il est en prison. Pourtant, c'est quelqu'un qui est toujours entouré des gens, qui est toujours entouré des garçons, qui est toujours entouré des femmes. Mais le gars dit que depuis qu'il est en prison, il y a seulement 2 personnes qui sont venues lui rendre visite. Le gars dit que non, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a permis qu'il se retrouve là-bas pour voir vraiment le cœur des personnes qui l'entouraient. C'est vous qui voulez vous entourer des 1000 personnes, non? Hein? Je ne suis pas entouré de plusieurs personnes. Le peu de personnes que moi, mamie Soko, j'ai à mes côtés, non, maman. Ils peuvent mourir pour moi. Ils disent, quelques personnes que j'ai à mes côtés. Si j'entre dans le trou, ils entrent vraiment. Si je saute, eux, ils sautent. C'est comme ça et c'est réciproque. Entourez-vous de ce genre de personnes. Ne vous entourez pas de tout le monde. Parce que si tout le monde vous aime d'abord, ça dit qu'il y a un problème. Vous comprenez un peu, non? J'ai quelques personnes là autour de moi. Ils n'atteignent même pas. Ils sont trop sains. Que si ils sautent? Ils sont quatre. Ils sont trop quatre. Que si ils sautent là, non? Eux, ils sautent avec moi. Et si aussi, s'ils sautent aussi, ils sautent avec eux. C'est comme ça même que la vraie amitié se définit. Le genre d'amitié qu'on peut venir vous dire que Léa a dit que non. Vous êtes capable de dire que non. C'est pas elle, c'est pas Léa ici. Ce genre de choses va venir de Léa. Pas le genre de choses qu'on dit que Léa fait que tu tues même pour boire mon casier. Non, non. Puis il faut, papa, il dit que Dieu te protège là-bas depuis ta cellule ou depuis ta prison, depuis ta chambre de prison, là, maman. Que Dieu te protège. Que tu restes là-bas ou que tu sortes. Désormais, tu dois apprendre à choisir avec qui tu marches et ceux que tu aides. Vous comprenez un peu, non? On ne peut pas se réjouir. Peu importe ce que Pifo a fait, je ne peux pas me réjouir pour lui. Je ne peux pas lui dire que non. Je ne peux pas dire que lui, il avait trouvé juste mal âme. Il mérite d'être là-bas. Je ne peux jamais dire ça. J'étais allé à la prison de Mantoum. Il y a une prison qui s'appelle la prison de Mantoum. Hein, pour aller vers l'ouest là-bas. J'ai vu les prisonniers là-bas parce que je suis sorti. J'ai craqué. J'arrivais à respirer. Mon cœur était serré. Vous qui parlez, c'est parce que vous ne savez pas ce que c'est que la prison. La prison, c'est un mauvais endroit pour l'homme. C'est un mauvais endroit pour l'homme. On ne peut pas dire que ah, c'est bien comme quelqu'un en prison, c'est pas bon. Puis il faut te soutenir, papa, de près ou de loin. Pour quelques rares fois,
que je t'ai eu en face. Je sais que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de... Tu aimes rigoler, tu aimes beaucoup blaguer. Ça, c'est ce que je sais depuis faux. C'est un garçon gentil qui aime beaucoup rigoler. Son autre côté, je ne connais pas. J'ai découvert le côté... son côté depuis faux sur Facebook. Quand il y a eu les problèmes, il va la chef d'État. Sinon, son côté, je ne connais pas. Mais c'est que un garçon respectueux, souriant, taquin, taquiné. J'ai vu son autre côté, là, seulement qu'il a eu les problèmes mal sur Facebook. Pourquoi? Parce que j'en ai dit non. Donc, puis faut de près ou de loin, mon frère, tu as mon soutien. Moi, je ne peux pas venir là-bas en prison te rendre visite parce que moi, je trouve les maths là-bas. Moi, je trouve les maths. Je peux venir là-bas, il y a une convocation, mais que je n'ai jamais honoré. Et viens pour te rendre visite, si on m'arrête là-bas aussi, on est dans celui d'abord en attendant. Donc, gars, de près ou de loin, tu as mon soutien. Je te soutiens comme je peux, mais je ne peux pas venir en prison te regarder. Tu es d'abord mon frère du village. Voilà. Donc, tu as tout mon soutien, gars. Beaucoup de courage à toi. Maintenant, il y a un socor qu'on avait nous deux sur Pifo. Un socor. Je pense que c'est Aïcha qui doit décommencer. C'est Aïcha qui va commencer à déballer le socor-là avant qu'on le prenne. Je ne peux pas moi-même déballer le socor-là. Parce que les proches-là qui sont venus de le socor-là. Parce que les proches-là dont on accuse, ce sont aussi mes proches. Donc, c'est mieux que les abords. Aïcha a commencé à décortiquer avant que moi-même je récupère. Elle dit qu'on va t'arrêter, va, non. Non, je ne peux pas partir regarder Pifo là-bas. Mais je le soutiens depuis ici, là. Je ne peux pas aller, non seulement parce que je suis très, très fragile. Je suis terriblement fragile. Si même moi, Pifo, elle commence à pleurer. Je quand elle pleure, je suis laide. Je ne vais pas pleurer. Quand il pleut, je suis trop laide. Parce que quand il pleut, me contrôle. Bah, je vais écarter ma bouche et caquer mes narines. Bah. Je commence à pleurer comme les filles pleurent ici en ville. Que... Moi qui pleure. Ah, il faut. Yeah, on reconnaît les tarés. Yeah, maman. Moi de choc. Il veut commencer à. C'est comme ça. Le village dans ma tête. Yeah, mais c'est comme ça. Yeah, pifoué. Yeah. Yeah, même au jour de semaine, il a tout maigri. À jour de semaine. Yeah, mais c'est comme ça. Il y a la zizi le coin. Ça veut commencer comment? Elle a un chouko Facebook. Puis là, nous avons encore. On a encore le mal à pifoué. D'ailleurs, il y a n'a pas eu de nier au toujours. N'a pas eu de nier au toujours. On a eu de nier au toujours. Maintenant, on a eu de jour. On a eu un jour une chambre de la tienne. On a eu de nier fermé ta bouche. On a osé. Tu as eu de nier au maîtriser de toi. Tu ne peux pas tout maîtriser. N'a pas eu de captain chouan de mal. Pour une nier ton nom. T'as eu un peu au hasard de nier mais. Au toujours, mais n'a pas eu. Maman, on a un petit benzo. T'as même avec son cœur où? C'est comme ça qu'on assassine nos parents, nous-mêmes vivants. C'est que nous supportons les parents, on ne peut plus supporter. Le cœur des parents sont fatigués. T'es maman, on y a. N'est-ce pas, maman? Attends, Azap, tu m'enzo. Ah, aïe, on a ton sueur. Elle a ton sueur. Soyez. Pardon. Madame, tiens-moi en datu. Madame, libère l'enfant là, l'air est humain. Libère l'enfant là, madame, tiens-moi en datu. Tu l'as mis en prison, ça ne va rien changer, madame. L'erreur est humaine. Même Dieu a dit pardonnez. Pardonnez à vos frères et à vos amis afin d'être pardonné. Pardonne aux petits là et retire de là, madame. Je t'en supplie. Madame, je me mets à genoux. Retire Pifo de là. Pardon, maman. Pardon. Que tes esprits, que tu sais là, touche ton cœur pour que tu puisses le retirer de là.
que les esprits là que tu sais et adores. Une malame doit être souple. Malame, tu as insulté, puis il faut y aussi insulter. C'était un but partout. C'est vrai qu'à un moment donné, quand tu as laissé, il a continué, maman. Mais l'homme est comme ça. L'homme est comme ça, malame. Yeah, mais il y a maman, puis foi. Yeah, maman, quand tu dors comment? Quand tu dors, madame, tu crois que le gars dort comment là-bas en prison? La prison n'est pas l'ami de quelqu'un. La prison, c'est un mauvais endroit, madame. Retire le gars de là, pardon, ma chérie. Retire-le. Ma chérie, retire-le. Oublie tout ce qu'il a eu à faire, maman. Tu es une maman. Une maman reste une maman. Le cœur que nous, les mères, nous avons. Quelqu'un qui n'a pas accouché ou un homme ne peut avoir le cœur. La femme, la mère, c'est la mère de l'humanité. Une femme, c'est la mère de l'humanité, maman. Pardon. Le karma existe, ma chérie. Ne fais pas les choses que Dieu peut faire que ça se répercute sur tes enfants demain. Aie pitié du gars là, maman, que Dieu Tout-Puissant touche ton cœur et que tu le retires de là. Il t'en supplie, grand, mais pardon seulement pour l'amour du ciel. Pardon, maman, retire-le de là. Même s'il a fait quoi? Même s'il a fait quoi, ma chérie? Si Dieu avait dit que tu devais, à travers tes entreprises là, tu devais réaliser d'autres projets qu'on ne peut même pas imaginer. Si Dieu dit que tu devais être milliardé en faisant ton truc de malade là, c'est pas parce qu'il faut parler que tu ne dois pas atteindre tes objectifs, ma chérie. Vous comprenez un peu, non? La volonté de l'homme ne change rien à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Madame, tiens-moi en datu. Tiens, puis faut en datu. Ça, c'est tuer sa mère vivante. Sa mère est vieille, maman. Ça, c'est tuer sa mère vivante. Tu es comme ça en train d'enlever quelques jours de vie encore sur la vie de la maman de Pifo. Les mains sont trop attachées à les enfants garçons, ma chérie. Je te jure que tu as brisé la main en mille morceaux. Je te parle en tant que maman. J'imagine, c'est, je me mets dans la peau d'une maman qui est vieille. Et que je reste quand je pense. Je sais que mon fils est en prison. Je n'aurai pas la paix. Je ne veux plus jamais dormir. Je t'en supplie. Mal en pardon pour l'amour du ciel. Libère Pifo. Aie pitié de lui. Pardon. Pardon, même s'il est mytho, même s'il a dit quoi, même s'il a manqué de respect, pardonne-le, comme Dieu Tout-Puissant nous a pardonné. Si Dieu devait agir comme les hommes, si Dieu avait le cœur des hommes, c'est qu'il a envoyé un autre dirige ici sur la terre. Pourquoi vous ne pouvez pas souvent vous faire un peu, agir un peu comme Dieu? Si Dieu avait notre cœur, c'est que personne ne vit plus. C'est que personne ne vit plus. C'est qu'il nous a tous brûlés ici sur la terre. Mais Dieu reste Dieu. Dieu est Dieu. Mais on peut le copier un peu, non, maman? On peut le copier un peu, non? Quand vous mettez les gens en prison, vous dormez, puis nous, on couche le corps, puis j'ai le corps. Puis j'ai dans le long coup, puis. Quand tu mets quelqu'un en prison, le soir, comme ça, quand tu dors, tu ne sursautes pas. Hein, ma chérie? Tu pourrais le punir autrement, maman? Pardon, ma mère. Pardon. Pardon. Il dit pour l'amour du ciel, ma chérie. Mais je ne sais plus ce qu'il avait dit. Pardon, aie pitié du gars là. On m'a dit qu'on devait le faire, ou que le jugement, ou c'est que le 7 janvier, ou c'était le 7, ou c'est le 7 de ce mois, ou ce 7 du mois prochain. Maman, lève un peu tes sanctions là, je t'en supplie. Tu dis que tu la supplies pourquoi? Elle qui dit donc, non, ne dis pas ça. À l'heure ici là, le bâton de commandement est dans sa main. C'est elle qui donne la direction à suivre à l'heure ici là. Allez, si c'est elle qui décide, si il peut caler là-bas en prison ou il peut sortir. Et on vous dit donc que l'humilité précède la gloire. Demander pardon est important. Supplier une personne est important. L'orgueil n'amène nulle part. Les personnes orgueilleuses n'avancent pas, ne prospèrent pas. Quand tu es humble, quand tu sais supplier, quand il faut, même pour rien, quand tu supplies, ça ne retire rien à ta vie. Ça ne retire rien sur toi. Hein? C'est l'orgueil là que certaines personnes se retrouvent souvent dans les problèmes. Vous comprenez? C'est l'orgueil là. Yeah! Vous parlez, vous savez, vous êtes pas bien allé en prison voir les prisonniers là. Merde! Non, maman, madame. Madame, si on dirait, maman, je t'ai demandé pardon à la place des Pifo. Je t'ai demandé personne. Je vous dis donc que personne n'est parfait. Je vous dis donc que nous sommes couverts d'imperfections. On ne connaît pas ce que chacun fait dans son lieu secret quand il est seul. Moi, ma mission, vous ne savez pas ce que je fais quand je me retrouve seul.
Vous ne savez pas si j'ai meilleur sur quelqu'un ou pas. Personne ne connaît la vie vraiment de l'autre. Laissons les jugements à deux balles sur Facebook. Chacun sait ce qu'il a fait de mal dans sa vie. Vous comprenez? Chacun sait ce qu'il a fait de mal dans sa vie ou à son prochain. Hein? Vous pensez qu'il fait du mal à quelqu'un, c'est tuer quelqu'un? Il y a un genre de mensonge comme ça que tu imagines, tu lèves, tu déposes sur quelqu'un, ça dépasse la mort. Hein? Vous savez ce que ça fait quand tu fais un truc à quelqu'un ou tu manques un genre de respect à quelqu'un ou tu inventes un truc sur quelqu'un comme ça jusqu'à ce qu'on commence à croire. La personne se couche au lit et ne dort pas. Pourtant, intérieurement, tu sais que tu as menti. Vous savez que ça ne peut pas se tuer. Hein? Lisez souvent les choses que vous avez écrites sur les réseaux sociaux là. Hein? Nous sommes les êtres humains. Hein? On se connaît entre nous. Hein? Hein? L'orgueil n'est pas bon. On avait dit à Bifo que viens demander des excuses. Si Bifo était allé rapidement demander des excuses là-bas où elle avait invité, où c'était à la gendarmerie, où c'était au commissariat, si elle était partie à temps, dis-moi que je présente mes excuses, si elle était allée à temps. C'est qu'il n'est pas là-bas en prison. Mais mieux vaut tard que jamais. Il a essayé, mais c'était il y a trop tard. Même Ivana, chef d'État, l'a dit. Que le gars a essayé, mais c'était il y a trop tard. Vous comprenez ce que Jean-Claude dit, non? La prison n'est pas un lieu sacré. C'est l'enfer. Et la colère peut nous amener à faire des choses qu'on ne veut pas avant de regretter après. Madame, tu peux lancer le gars là-bas dehors comme ça. Là-bas, en prison, comme ça. Il pense même seulement à sa pauvre maman. Il souffre là-bas, il meurt. Toi, mais je ne pense pas que tu serais tranquille. Ou si on lui fait du mal là-bas, en prison, madame, je ne pense pas que tu aurais l'esprit tranquille. Nous savons tous que c'est la colère. Nous sommes conscients que quand tu as abandonné, il a continué. C'était la colère de son côté, c'était la colère de ton côté, madame. L'erreur est humaine. Le pardon reste donc, c'est la meilleure chose que Dieu nous demande de faire, même dans la Bible. Pardonner, c'est le pardon. Moi, où je pense, ça me fait mal. Je regarde ces statues en longueur de journée. Je regarde ces statues de en longueur de journée. Le gars poste les choses. Tu sens comment il poste les choses pour oublier qu'il est en prison. Il veut bien se sentir dans sa peau. Mais on sait qu'on ne peut pas être en paix en prison. Personne ne sera jamais en paix en prison. Et les prisons du Cameroun ne sont pas comme les prisons de Mbeng. Non. Vous parlez de quoi? Nous, on demande, nous tous, maman, madame, mes abonnés et moi, nous te demandons pardon à la place de Pifo, à la place de Pissot, à la place de Pifo. Ma chère, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Demain, c'est ce même Pifo encore qui peut aussi peut-être, je ne sais pas, il peut t'apporter son soutien de... Dans un domaine de ta vie, demain, je sais, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Comme mon grand-père disait que l'avenir est sombre. On ne sait pas de quoi demain est fait, ma pardon. Si tu tombes sur mon message, si pardon seulement. Si tu peux faire quelque chose pour le retrait de là, n'hésite pas, fais-le. Fais-le, ma chérie. Pardon seulement, je te supplie, je te parle à genoux. Je te parle avec toute mon âme, je te parle avec tout mon cœur, je te parle avec tout, de toutes mes forces, je te demande. Je te dis pardon, pardon seulement. Tu te sors. Je suis tombé pour pardon, maman. Hey! Ses activités qu'il a laissées derrière lui, sa famille qu'il a laissée derrière lui, sa vie, c'est pas facile. Même si il faut faire quoi aussi du mal? Ce n'est pas le moment de regarder tout ça. Il ne mérite pas. Je vous dis, je t'ai dit, où c'est ma chérie, où c'est mon tonton. Je t'ai dit. Pardon, j'ai même chaud. Moi, l'histoire, non, moi, ça me fend le cœur encore jusqu'à aujourd'hui. Puis, il faut, comme je t'ai dit, mon frère, je ne veux pas avoir envie de te rendre visite. Moi-même, j'ai mes maths là-bas. J'ai les maths à que moi-même, je n'ai pas eu à honorer. Que j'ai envoyé mes avocats, on ne sait jamais. Le jour de ma chance, le jour de ma chance. Tu peux même partir. Parce que quand je ne peux pas, je vois mon avocat. Tu peux ne pas partir. Le jour où tu pars, on peut te prendre là-bas. Le jour de ma chance, le jour de ma chance. Donc, je ne peux pas prendre le risque là. Mais de près ou de loin, tu as mon soutien, mon frère. Tu as mon soutien. Que Divan dit que quelle activité au shawarma. Même s'il vendait l'eau glacée, c'est une activité. Même s'il balait seulement les rues, le père, c'est une activité.
Les gens comme vous qui attendez la nuit pour aller braquer les gens, ils demandent que le shawarma soit une activité. Avec ça, ils se payent un loyer, nourrir une famille. C'est une activité. Tu que l'argent qui est dans le shawarma. Il faut aller à la prison pour connaître ce que c'est qu'une prison. Même à son ennemi, il ne faut jamais souhaiter, maman. Quand vous aussi parlez, les villageoises vont venir dire que comme vous n'aimez pas, comme vous n'aimez pas. Voilà, vous savez ça. Voilà. Donc, mes socoyeuses, je pense que j'en ai terminé. Tata Léa, ton teint, c'est la magie, oui. C'est le teint de Mira Cosmétique. J'ai diminué la dose d'une jambe. Vous voyez, c'est pourquoi maintenant ça fait effet naturel. J'ai pas mis de pâte. Regardez bien mon visage. J'ai pas mis la pâte sur mon visage. J'ai un peu juste mis... On appelle ça quoi, Charles? J'ai juste un peu mis la poudre ici, là, comme ça, comme vous voyez là. Donc, j'ai pas mis de pâte. Donc, c'est le teint de Mira Cosmétique. La gamme blanche neige de chez Mira Cosmétique. C'est ça que je oigne depuis il y a bientôt 2 mois. Voilà. Donc, Ouais, ça, c'est pas l'islam à l'ancien spécial direct pour ça, non? Non. Demande moi de me présenter vite sur ça. Tata, parle-nous du soco de Lélé, qu'une actrice et une chanteuse. Ouais! On ne peut pas faire une prière comme ça avant. Après, on vient encore avec l'histoire de Lélé. Bien dit, mamie Soko. Ils sous-estiment les métiers des gens, pourtant ils sont chômeurs. Et vous dites la vérité. Maman, vous connaissez comment la vie est due ici à Douala? Est-ce que vous venez signifier ce que les gens font dans la vie? Pardon. Ouais, je ne peux pas faire la prière. Après, je rentre encore si ça avait les histoires de Lélé. Je ne peux pas. On ne se moque pas de Dieu. Les histoires de Lélé sont interdites dans la Bible. Dieu a brûlé la ville de Sodome et Gomorrhe dans la Bible à cause des paix et des Lélé. Dieu a brûlé la ville de Sodome et Gomorrhe dans la Bible à cause des Lélé et des paix. Je ne peux plus pas parler de ça maintenant. Moi, de fou. Yay! Ah, tu mon bon gars, t'as mis chou mon mot. C'est un bon truc. Moi, les mèches de ma petite soeur qu'on a envoyé de la Chine. Elle vous présente ces mèches-là. Mantou. Mantou! C'est combien? Touquet! Oui, 3 tonnes. Touquet! 3 tonnes. Que 3 tonnes, c'est 1500. Ça, c'est combien? 1500. Voilà, 1500. Dans les 3 tons, c'est 1500. Voilà, c'est pour les fêtes de Noël. Hey, lélé, oh. 2 tons, 1000 francs. Ouais, wow, lélé, on prie la terre, planète, la planète Terre. 1 ton, 800. Donc, c'est 800, non. Voici 800. C'est un mec venu de la Chine. Ouais, wow, lélé, on tout prie Facebook et le chose. Et le chose, ou c'est le chose bis. Et le chose bis. Ouais, wow, lélé, oh. Yeah! Voilà 800. Yeah, mais Lélé. Yeah. 800. Mais faut que les mêlés les doigts là. Mêlés les français, mais c'est ma musique. Yeah. Yeah, mais tout, mes filles, mais tu vois, mêlés les. J'ai dit ça, me chaud. On a un bon Dieu, mêlés les. Un chon Dieu, mêlés les. Un yojin Dieu, mêlés les. C'est quoi? Ah, encore. Yeah. Hey! Voilà les mèches. Tata Léa, je t'aime moi trop depuis le combo beat. Ah, c'est une de mes camarades de classe. Yeah, mais c'est toi, mêlée, les cannes, c'est les cannes. Voilà vos mèches pour décembre. Achetez vos mèches. 1500, 800 et 1000 francs. Yeah! Yeah, un capcoé! Un capcoé! Un capco! Mais là, mets-en la musique! Mets-en la musique! On n'a pas dit qu'on chantait comme ça là pour que nos aises reviennent! Tu chantes la musique comme ça, jusqu'à ce bon à nous! Après encore, tu m'as fait les choses de Lélé, comment pourtant tu chantais pour réconcilier l'homme et la femme et pour faire pour que l'homme, la femme tombe amoureuse de la femme! Après encore, tu m'as fait les Lélé!
comment? Les autres disent qu'elles sont les artistes. Sont... mais c'est moi, mais. Ah, je suis couru. Vous dites que vous avez les grands trucs qui sont au pays, non? Que vous avez les vous avez fait les investissements, vous avez les grosses, grosses voitures, vous avez les entreprises, non? Ou pas d'en revenir les lèvres, pourquoi? Un cap que bifoua. Ah. Puis la couche, ya! Yeah. Dieu a dit à l'homme et la femme qu'allez multiplier vous et remplissez la terre. Ya! Ya, lisez la Bible. Ya, choukoui. Vous voulez garder notre pays avec le lélé? Vous pensez qu'on a un bien ici là? Ça a un bien qu'on a légalisé le lélé. Hein? Ça a un bien que les lélés sont légalisés. Hein? Au Cameroun, on ne compte pas encore les lélés. On ne compte pas encore les lélés ici. Nous, on ne va jamais accepter ça. Je m'en fous de ceux qui sont les lélés. Vous pensez qu'on va tout accepter pour vous donner? Hein? Avec les gars qui sont dehors, ils sont libres là. Les beaux gars qui sont dehors comme ça, avec les. Les belles voitures. Hein? En tout cas, comme j'ai dit hier, choisissez un seul couloir. Vous ne pouvez pas aller faire les lélés. Vous rentrez encore discuter les gars avec nous à Bonabou, ça dit. Ce n'est pas possible. Si tu es lélé, restez lélé, non? Si tu es lélé, tu es encore discuter nos gars avec nous comment? Hein? Non, mais ça, c'est quoi? Voice, jusqu'à tu pleures, maman. Jusqu'à tu fais la jalousie parce qu'elle est partie à Paris parler aussi avec ta copine. Hey, wow. Allez, mèche. Allez, mèche. C'est vous qui sortez la bouche. Vous dites comment vous avez l'argent. C'est vous qui faites des lélés. Achetez les mèches. Achetez les mèches. Ah, le numéro. J'épingle le numéro de Rosie Gams Beauty. Ma maquilleuse. On fait comment là? On épingle. Voilà le numéro pour les mèches. 656 45 46 35. Laissez nos gars tranquilles. Si vous avez choisi sur le couloir de Lélé, restez dans vos couloirs de Lélé. Hey! Les mèches, elles sont attirées, maman. Oui, c'est attiré. C'est déjà tiré. On coupe sans plus tirer. C'est attiré. Les un ton, on peut encore tirer. Mais les deux tons, ce sont déjà bien tirés, maman. Il y a 1500 et 800 et 1000 francs. Voici combien j'ai. Hein? 1000 francs, deux tons, 1000 francs. Deux tons, 1000 francs. Un ton, 800. Trois tons, 1500. Voilà ça. Appelle le numéro aussi. On livre à domicile. On vous livre où vous êtes. Il y a tout genre de couleurs. Laissez un peu les perruques là. Plein de ces rastas. Faites les rastas avant que les lélés ne viennent vous draguer. Faites les passe-mèches. Voilà ça. C'est très beau. C'est couleur de mèche. Je suis fatiguée. Yeah, mais c'est comment, mais. Yeah. Yeah, 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 yeah. Ma petite est aussi partie. Elle est aussi partie en France ces derniers mois, on ne doit plus respirer. Elle est rentrée avec les places là, elle n'est même pas chère. Elle est aussi partie petit France, on va respirer, quoi, les filles entreprenantes. Voilà ça, ça c'est 5000. Voilà son numéro là-bas en bas, elle vend ça à 5000 francs. Les vrais là, les gens comme ça que tu fais, regardez, attends, je vais faire une couleur par exemple, non, regardez. Vous voyez, donc ça dose. Attendez, non, je ne vais pas gâter les trucs là. Vous voyez les couleurs? Donc, quand tu prends une couleur, ça te sort d'abord, regardez. Regardez, 5000. Voici l'autre. Merde. Voilà ça. Ça, c'est combien? 5000. 6000. Là, c'est 6000. Voilà ça, maman.
Regardez. Ça sort qu'en 4D. La livraison est gratuite, chat. Non, non, hey. Gratuite comment, ma chérie? Où toi-même tu viens chercher, on te dit où nous sommes, tu viens chercher. Yeah, Melele. Yeah, Melele. Voilà ça. 6 000. Non, mais ça, c'est quoi? C'est possible d'entrer en, process, en position étant là-bas, vous savez. Oui, bien sûr, nous sommes. C'est même plus. On a rien donc à Bafoussam. J'aime quand tu parles le bout d'Amazon. Vous n'allez plus respirer comme non. Elle aussi, quoi, en France, dernièrement, avec son petit ami. On va encore vivre. Voilà ça. 6 000 et 5 000. Tout gagne. Tu as gâté mon direct. Waouh, regardez-moi comment ça arrive là et je slay. Waouh. Oh my God. Oh my God. Mm-hmm. Regardez. Voilà pour les nudes. Numéro. Voilà le numéro épinglé en bas, ma chérie. Voici le numéro que j'ai épinglé. Et pour les mèches, on fait comment? Voici le numéro épinglé en bas. Numéro, ouais, maintenant, ça me change. Voilà le numéro en bas. On va savoir les couleurs. Voilà les nudes, les couleurs nudes. Wow. Tu as une carrière française. Mais tu les jugons. La carrière me change, les mais tu les jugons. Voilà ça. Yeah, là, j'ai même Champs-Élysées. Voilà pour les youtubeuses. Les sérums 24 carats pour les youtubeuses. Là, le sérum qu'avant de mettre ta patte, tu fais comme ça là. Maman, elles aiment souvent IA. Les youtubeuses là, non. Avec les visages de Nourdion. Oh, il y a une cuillère. Il y a beaucoup qui est sorti. Wouhou. J'enlève ça. Donne-nous les indices. Non, achète les trucs, on te montre que les indices. Je veux pour 6 000. Voilà, ma copine, voici ça. Voici pour 6 000, mon bébé. Chadoma, ma copine, voici le numéro de chat. Arcel, Arcel Saa. Hé, Asa, oh, bon, là, c'est une bouddha même. Le nom de mon fils. Le nom de mon fils. Regardez. Pour les, attendez, regarde mon make-up. Hein. On a bafou ça, je serai le week-end. Léa, explique-nous. Wow, lélé, léo. Attendez. Yeah, lélé, léo. Oh, 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 oh. 24 carats. 24 carats. En quoi les youtubeuses à forêt font comme ça là? Elle n'a pas ça là. Oui, oui. Elle n'a pas ça là. Ça rend le make-up ça parfait. Ça rend le make-up parfait. Ça, c'est combien, Chara? 5 000. On va à 15 000 dans les boutiques. Même elle fait ça 5 000. Elle était à Paris dernièrement. On va encore respirer. T'as mis le tuer. Ah, ça! Écris au numéro cela. Voici le numéro de ma petite soeur. 656 15 6. Voilà le numéro qu'on a épinglé pour celles qui veulent entrer en possession de toutes les choses que je vous ai présentées là. Donc je fais sa pause de publicité. C'est ma petite soeur d'amour. Elle a une licence en marketing et en commerce et réseau. À quoi là? Community management. Elle a une licence en community management. Elle a encore un master en quoi là? Marketing et management. Voilà, c'est tu. Mais là, voici qui va les make-up et faire le traçage dans les mariages avec. Voilà, 6 000. Et que les couleurs, non? Les couleurs, non? Je ne vais pas encore quelle couleur pour les montrer. Les doutes. Oui. Il me guiche. Non, c'est bon, c'est l'échantillon. Ah, c'est l'échantillon. Regardez les couleurs. Et que les vraies couleurs. Je veux le rouge de la dernière fois. C'est 5 000. Oui. Oui, même ça, c'est dans ma chambre. Laisse 5 000 francs le rouge là. Si tu veux écrire un numéro ici, ma chérie. Voilà. Avec ton rouge à lèvres comme l'huile des chips. Putain, tes expériences. Il y a ma mise en costume. Bon, bon, c'est bien. Il y a ça. À l'époque aussi, on connaissait se maquiller. On mettait moi le bleu aux lèvres. Le bleu, là, c'est comme pour mettre sur les lèvres. Et Denis qui sont au siège. Tata Léa, c'est bon, j'ai déjà enregistré le numéro. Ok. Oh my God. Je suis comme une sorcière, comme Kana. Tu vois comment la pigmentation, la couleur est. On peut utiliser pour les lèvres. Mettre un gloss. Astuce cadeau. Mettre un gloss. Regardez. Gloss de mettre le... Ça fait dangerous. Oh my God. Oh là là. Ma petite soeur maquille très bien. Bon.
Mais encore, je pense que c'était bon pour aujourd'hui. Commandez vos mèches, commandez vos mèches, commandez vos mèches, commandez vos mèches. 1000 francs, 800 et 1500. Commandez, commandez. Faites-vous un pompon en passe-mèche. Voilà les perruques, voilà les mèches. Voilà. Faites les rastas américaines, voilà les mèches. 800, 1500 et 1000 francs. Voilà. Donc, je vous embrasse, pardon. Je veux le numéro, je suis à Bafoussam. Voici le numéro épinglé, chat. Alvin dit qu'elle veut le numéro, chat. 56 45 46 35. Coucou Kelly, faut-il aller comme maman? Voilà. Donc, mes socoyens, j'ai fini. Tata Léa, j'ai vu la vidéo de Ngambé. J'ai vu comment le gars, il a même loupé le gars là. Il a loupé. C'est ta petite soeur qui t'a maquillé, yes. Oui, non, oui, hier j'étais trop pressée. Pendant un rendez-vous. Et j'avais oublié mon truc de make-up à Bafoussam, non? Et elle n'est pas encore défait ses cartons de make-up. On a fait ça vite fait pour mon rendez-vous. Et puis, bah voilà, ça a débordé. Sinon, elle maquille parfaitement bien. Et elle fait de très beaux maquillages et à bon prix. Bonjour Gladys. Je t'aime, ma grande soeur. Ah, celle moi aussi. Voilà. Bébé, bye bye. Mouah. Je vous aime gros comme ça. Là. Je vous embrasse très fort. Bisous. Merci à tous ceux qui ont envoyé les cœurs. Merci à ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin du direct. Merci à ceux qui ont partagé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis humblement merci. Mouah. Ciao. Bisous.